Il y a presque 2 mois, j'ai fait le skin aléatoire challenge. Je vous avais proposé qu'aux 5000 likes, je refasse le défi, mais cette fois-ci version extrême. Et vous avez explosé l'objectif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le faire. Encore une fois, la rareté de mon skin définira la couleur de mes armes. Mais ce qui va changer de la première fois, c'est que ça définira aussi la rareté des soins que je dois utiliser. Donc par exemple, avec un skin vert, j'aurai le droit au kit, au mini, au fiche. Alors qu'avec un skin épique, il n'y a qu'une solution pour se soigner, c'est le bleuvageon. Donc je pense que ça peut être intéressant. Je vais tout de suite aller mettre un skin aléatoire. On va voir ce que le destin me réserve. Voilà, je clique sur aléatoire, s'équiper. C'est le skin mécano. Donc on va vérifier tout de suite. Mais si je me trompe pas, le skin mécano il est bleu. Et effectivement il est bel et bien bleu. Comme d'habitude n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir en rentrant le code créateur YoYo dans la boutique. En plus il y a la nouvelle saison qui arrive, donc pensez-y pour vos passes de combat. C'est parti. Bon, normalement des armes et des soins bleus il y en a sur toute la map. C'est pour ça que je vais pas me priver. Et je vais aller à Kone Crossroad. En plus c'est juste en dessous du bus, c'est parfait. Ah ça fait plaisir. En ce moment je fais que du mode late game. Du coup ça fait grave longtemps que j'y ai pas été. Allez je vais me mettre dans une petite maison quand même un peu écartée. On sait jamais, je trouve pas d'armes. Ouais mais je suis trop bête. C'est pas dans cette petite maison un peu écartée que j'allais trouver une arme. Allez, je vais farm. Je sais vraiment pas ce que j'espérais ici, franchement. Ici, il y a des barils de shield, mais vu que je suis un bon joueur, je vais pas me les mettre. Des splash, ok. C'est mieux que rien, en vrai. Tu y as un coffre, allez. C'est un de mes seuls espoirs, pitié. Une grosse potion. Mais les gars, le shield, c'est bien. Mais donnez-moi des armes un peu, s'il vous plaît. Bon, là-bas, il y a encore une grosse. Je vais la récupérer, du coup. Il y a pas une petite PM, par exemple, qui traîne à côté, non. Et non. Bon, je perds pas espoir. Il y a un coffre ici encore. Ah, mais c'est grave. Des armes bleues, j'en trouve dans toutes les villes, sauf dans celle-là. Il y a un mec juste là, il m'a pas vu. Encore des splash, je récupère. Oh, ici, il y a un pont bleu posé sur Becky, tellement que j'ai du mal à y croire. Et il y a un coffre en dessous qui me donne rien d'intéressant. Allez. J'ai pas le temps de chercher des balles. Pas grave, de toute façon je suis trop fort. Je vais one shot, y'aura pas de soucis. J'arrive pas à le retake. On va attendre qu'il ouvre. Est-ce que crack? Cette fois il est crack. Je vais plus avoir de balles, poteau meurt s'il te plaît. Je suis obligé de le piocher. Attendez, mais ce mec avait une couronne royale. Ça fait plaisir, merci à lui. Il m'a pas donné de balles de pompe par contre. C'est pas grave, il y a une PM. Je vais casser ce mur là, il me saoule. Ouah, je l'ai cassé pour qu'il remette un mur. Il est caché là-bas. Il me prend pour qui celui-là? 81, crack, mort, let's go. Alors qu'est-ce qu'il avait lui? Une PM bleue, je prends. Et toutes les balles et tout, tu me donnes ça. Oh mais ça va en vrai. Je vais me mettre une petite splash pour l'event shield. Et je me barre. Va quand même falloir que je trouve un peu de munitions sur la route. Il y en a juste là normalement. Ouais, c'est ça ouais. Tout sauf des balles de pompe évidemment. Je vais me barrer en zone et je vais récupérer le bois manquant en passant. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette vidéo, je vous avais demandé si vous seriez intéressé par la handcam. Vous avez été super nombreux à me répondre que oui. Du coup, je m'en suis occupé. Et normalement, si tout se passe bien, pendant le mois prochain, donc je sais pas exactement encore quand, elle devrait arriver dans les vidéos et les stream. Donc encore un tout petit peu de patience les gars, ça arrive. Le harpon là, j'hésite à le prendre à la place de ma PM. Non, je vais le laisser là. Toi, donne-moi les splash qui manquent. Parfait. Le coffre ici va me donner lui une aire bleue. Oh, je suis deg. Ça c'était pour mon arrogance ça. Il m'a ramené sur terre. Allez, top 19 déjà. Pour l'instant, je croise pas grand monde, c'est tranquille. Espérons juste que ça va durer. Allez, encore un petit coffre. En vrai, je les fais tous. On sait jamais. Un fusil d'assaut bleu, ça peut apparaître comme ça d'un coup et me rendre heureux. Il en reste qu'un et malheureusement, c'est pas lui qui fera mon bonheur. Quel dommage. C'est comment par contre, comment ça se fait que je vois personne? Ils sont tous cachés ou quoi? Ah ouais, il y a une atmosphère pesante là. Je me sens observé, je vous jure, il y a quelqu'un. Chavez, je me sentais observé, les gars. Il arrive en construisant, donc c'est qu'il savait que j'étais là. Alors lui aussi, il marchait tranquille et il s'est senti observé, donc ouf. En tout cas, il a l'air d'avoir envie de se battre fort. Ah ouais, Van, il me fait des pré-edits et tout. Intéressant. Elle est au-dessus de moi, je crois. Oh merde, il a mis un mur. Elle va essayer de replace. Eh non, mon grand, je t'attendais. Voilà, 80, il a pris. Crac. Et maintenant, c'est moi qui monte. C'est moi qui t'agresse. Rentre dans la box. Crac. Et il est mort, let's go. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Vite, les splash. Il est dans ma box. Non, pitié, pas comme ça. Allez, concentration, crack. Un HP mort. Oh, j'y croyais pas là. Je vais pas claquer mes grosses potions. Je vais mettre le baril. On appelle ça des économies. Et du coup, je suis top 8. Par contre, ils avaient que des stuffs violets et en or. Je suis dégoûté. Il n'y en avait pas un qui avait une aire bleue. Il y a encore quelqu'un. Je crois qu'il est là-dedans. Waouh. Vas-y, là, il me saoule. Laisse-moi vivre. Il m'a mis que 20. Prends la hauteur. Il est presque crack. Maintenant il est crack, peut-être il va me laisser boire la grosse et il est mort de chute. Du coup je vois même pas ma grosse. Allez donne-moi ton shield. Bon du coup là je suis grave bien. Et d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de défi les gars, faites-moi le savoir en laissant un j'aime. Parce que je vous cache pas que moi j'adore ça. J'hésite à faire la même chose mais cette fois-ci en late game. Donc un skin aléatoire challenge mais en late game. Je sais pas du tout si ça peut être intéressant. Si vous voulez voir ça faites-moi le savoir et moi je ferai ça avec grand plaisir. Oh non je suis dégoûté, on m'a tiré dessus. Je suis obligé de claquer une grosse là. 23, il a pris. Et je te retire dessus. Voilà, 2 x 15 en plus. Comme ça, moi, je me rebois une grosse et je suis tranquille. Et maintenant, j'avance. Parce que si je me fight avec lui, je vais sûrement perdre trop de temps en vrai. C'est très dangereux ce que je fais. Je suis en train d'avancer sans me retourner. Peut-être pas la meilleure des idées, mais tant pis. Et voilà, comme par hasard. Hop, je retourne dans ma box. Il y a quelqu'un là-dedans. Au moins, je suis en zone. Il est presque crack. J'ai l'impression que je dis pour tout le monde, il est presque crack juste dès que je les touche. Alors qu'à chaque fois, ils prennent moins 20. Ok, faut que je joue intelligemment. Déjà, ici, on récupère les petits murs. On enlève le bois et on remplace par de la pierre. Là-bas, ça se fight vite. En fait, faut que j'aille pendant qu'il se tape. Il m'a entendu arriver, je suis deg. J'ai pris une cartouche là par contre. C'est grave, c'est quoi? On fait un fight à 3 depuis 20 minutes. Lui le crack. Ils sont à me laisser tranquille. Du coup là je fais l'erreur de pas mettre un mur. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Non c'est bon. Vite que je récupère le stuff. Il y a le build et tout. Parfait. Il y avait même une grosse. Ah mais met trop bien. Elle en recharge. Je vois ma grosse. Moi je lui fais croire. Ça va le faire venir. C'était sûr. Crack.
Il a un HP et il est mort. Ah là là, je suis vraiment un génie. Top 5 du coup. Je récupère encore une PM bleue. On a jamais assez de PM dans son stuff. C'est juste dommage qu'il y avait pas plus de shield que ça. Après, en même temps, personne se balade avec 15 grosses, à part moi. Voilà où ça se tape. Je vais y aller. Ok, je vais pas me battre. Je vais juste attendre. Les gars, vous voulez voir ce que c'est une super box? Regardez bien. Bam 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 bam. C'est vrai que c'était pas la chose la plus intelligente à faire, puisque maintenant je suis complètement bloqué. Donc je vais gentiment casser. Nickel, je sors de là. Allez, le top 1 est si proche. Ça fait que de se balader au-dessus de moi. Y'a pas une petite cartouche à mettre là? Dommage, j'ai raté. Oh non, je tombe. C'est bon, je vais pas tomber très bas. Je vais mettre des splashs quand même. On prend aucun risque ici. Lui, il a pris 17. 2 x 29. J'avance en zone. 56, il a pris. Crac, mort. Il a fait tomber les splashs, je suis deg. Moi, je veux juste les splashs, les gars. Le reste, je m'en fous. Il les a pris, je crois. Non, elles sont là, parfait. Je les ai pris devant lui, il est deg. T'as un fake de moi, toi. Comment ça, tu joues le skin vénard de manche courte? Il monte. Tu vas devoir avancer, poteau. Il y a la zone. Alors lui, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, je pense. Tombé. Vas-y, frère, s'il te plaît, avance. Pourquoi tu veux survivre à tout prix? C'est bon. Oh, il avait des grosses. C'est peut-être pour ça qu'il voulait survivre. Les deux derniers sont tout là-bas. Je vais me faire discret le temps qu'il se fight. Ok, il m'a vu en fait. La discrétion est pas au top. Mais c'est pas grave, puisque moi je suis bien de mon côté. Je sais pas s'il y a un mec tout en haut de ce truc. J'espère pas. La prochaine zone, elle part un peu vers là-bas. Je vous ai dit, les gars, faut savoir se faire discret. La discrétion, encore une fois, pas à son max. C'est tellement dommage que j'ai pas trouvé d'air. Ils sont où? Et moi, je vais avancer de mon côté. Je les vois pas du tout en fait. C'est ça qui m'inquiète. Ah, ça y est, j'ai compris. J'en ai fait tomber un, mais il avait un grappin. Je suis dégoûté. Je le fais tomber de son grappin. L'autre, je le spam. Il est dans la tempête. Non, il m'a volé mon kill. C'est vrai que je suis en train de penser là. Je passe mon temps à recharger alors que j'ai 3 PM. 17, il a pris, il m'a fait tomber. Je vais moi aussi le faire tomber. Je le fais pas tomber. Là, je le fais tomber. Ok, il a utilisé son grappin, mais il a pris des dégâts de chute quand même. Il a plus de build, je crois. Let's go, top 1. Et bien, encore une fois, le skin bleu, même en version extrême avec les soins, c'est validé. Du coup, je retourne au lobby et on va en tester un autre. Allez, c'est reparti. On va tout de suite changer le skin. Hop là, aléatoire, s'équiper. Et cette fois-ci, on a avec le skin Astra, si je me trompe pas. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. Favori, effectivement, Astra qui est de couleur épique, du coup. Et ben là, par contre, ça va pas être facile. Ça veut dire que j'aurai le droit qu'au bleu vajon. Mais allez, let's go. Bon, allez, game numéro 2. Pour celle-là, ça va être un peu plus compliqué quand même, parce que déjà trouver une arme épique, je pense que je vais pas le faire tout de suite. Alors en plus de ça, va falloir que j'aille pêcher, donc je pense que je vais aller complètement en bord de map, genre vers tout là-bas, et je vais me faire discret. Ah là, je suis quand même BG là, avec la tête en doré. Et ouais, c'est ça, de faire des top 1, ouais. Allez, déjà il y a un petit coffre ici, je vais le faire directement. Et bien malheureusement, il avait absolument rien d'intéressant. Ah, peut-être, non, il y a quelqu'un, je vais devoir me battre à la pioche. Mais non, je suis con, je lui ai laissé mon arme. Oh, le QI du type, je suis si peu intelligent, c'est incroyable. Oh là là, je suis tellement dans la merde, je me barre le plus loin et le plus vite possible. Vite, il m'a pas donné d'arme lui, je me tire. Je me cache derrière ça. Qui va me voir? Non, il est parti prendre le bateau. Oh non, il y avait un coffre épique, j'ai envie de pleurer. Oh, il va prendre la mitraillette. Non, je suis dégoûté. Regardez-le, il se met trop bien. Et moi, je suis obligé d'attendre qu'il se casse. Bah, vous savez quoi, pendant ce temps, je vous propose un petit truc. Si vous faites partie des 70% de personnes à regarder mes vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 secondes. Il faut juste cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et moi, petit à petit, ça me rapproche des 100 000 abonnés. Merci. Bon, après cette parfaite transition, je pense que je peux me barrer d'ici. Il a plus l'air d'être là. Je vais quand même pas prendre de risque. Je vais faire le tour par là-bas. On sait jamais. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, j'ai tellement le seum. Je suis passé devant le coffre épique, je l'ai même pas vu. Allez, toi peut-être tu vas me donner une arme épique vu que t'es un bon. Eh ouais, bah ouais, logique. Je vais au moins prendre une canne à pêche quand même pour essayer de choper un bleu vajon. Mais bon, je vous cache pas que c'est pas grâce à ça que je vais gagner ma partie, je pense. Là-bas, il y a un colis. En vrai, le colis, c'est super intéressant, mais c'est en même temps super dangereux. Allez, je le tente. C'est peut-être le seul endroit où je peux trouver une arme actuellement. Donc c'est pas comme si j'avais trop le choix. Oh là là, il est encore haut en plus. Je veux dire, il va falloir que j'attende à côté. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans le bush. Le mec juste là, il m'a pas vu. Il m'a vu. Je me tire. Il veut pas me laisser, hein. Il veut me casser la gueule. C'est bon, je te laisse ton colis, frérot. Vas-y, je suis dégoûté de tous mes plans, ils tombent à l'eau là. C'est quoi cette partie? Mais bon, à ce qui paraît, il y a un proverbe qui dit que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on est les meilleurs. J'ai envie d'y croire. Ici, il y a des barils de shield. Mais je vous l'ai déjà dit, je suis pas un tricheur. On va aller laisser là tranquillement et je vais me démerder. Allez, pitié. Au moins la pêche. Même là, j'ai pas de bleu vajon, c'est un truc de fou. S'il te plaît. Non, mais c'est une dinguerie. Donnez-moi un bleu vajon, s'il vous plaît. Au moins du shield. Oh, let's go. Je crois que j'ai fait pitié au jeu, les gars. Très honnêtement, je pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai même pas d'arme. Quand j'ai vu le skin épique, je crois que j'étais un peu trop confiant. Le seul problème dans ma tête, c'était le bleu vajon. Alors qu'au final, c'est le plus facile à trouver. Et bon, là, on va arriver quand même vers un moment de la game où les gens ont des bons stuff. Ils vont commencer à se battre. Et il y a moyen que dans une box, je retrouve un petit pompe violet. En tout cas, j'espère. Allez, en termes de build, je recommence à être pas mal là. Il y a une faille ici, j'hésite à la prendre. Est-ce que ça va me servir à quelque chose réellement? Je sais pas. Ah, mais il y a 3 failles ici. Ah, faut que je me mette à jour, moi. Oh, la grosse potion qu'on m'a donné envie de fou. De toute façon, c'est fouillé, je me barre. Et je vais passer au-dessus des box là où je me suis fait agresser tout à l'heure. On sait jamais, vu que ça s'est battu, ça va peut-être laisser une arme épique. Et non, je crois pas. Hein. Et bien, dans ce cas-là, je vais tout simplement aller tout droit. Si j'avais jamais découvert, c'est le moment. Là où il y a un coffre, toujours pas d'arme épique. C'est un truc de fou. Vas-y, je demande même pas un truc en particulier, pas forcément un pompe ni rien. Juste donnez-moi une arme. Toujours pas. Mais c'est quoi cette dinguerie? Peut-être là? Non. Un de mes derniers espoirs se trouve ici. Et malheureusement, non. Je vous jure, les gars, j'y crois plus. Je suis top 14, j'ai pas de bleu vajon et j'ai pas d'arme.
toujours pas, mais c'est fou. On ouvrir combien des coffres pour avoir une arme? Allez, là peut-être. Ah, c'est trop. Oh, mais je vais me barrer d'ici, hein. De toute façon, c'est bientôt plus en zone. Un petit dernier pour la route. Et encore une fois, une déception. C'est fou. Ah ouais, non, là, je suis pas bien. Parce qu'en plus de ça, je suis même pas full mat. Ça veut dire là, sur ma graisse, je vais pas tenir longtemps. Il y a un autre drop là-bas. Ok, c'est ma seule chance. Je suis encore obligé d'y aller. Allez, je vais me box dessus. On va attendre qu'il tombe gentiment. Parce que même ça, je peux même pas lui tirer dessus, du coup. Allez, pitié que tout se passe comme prévu. Je vous en prie que personne vienne me tirer dessus. Le collier est bien réceptionné. Merci pour la livraison. Ah non, mais je suis dégoûté. Non, c'est trop une dinguerie. Non. Ah, je vous jure, j'ai envie de quitter le jeu. Pourquoi on m'a donné ça? Ok, il y a une vidéo. Je me suis bien débrouillé avec une. Le reste du temps, je suis trop nul. Il y a un mec qui me tire dessus en plus. Bon, je vais aller me boxer. J'ai pas le choix. De toute façon, je peux pas me reshield après ça. Donc il faut absolument que personne me touche là. Bon, ça y est, je me suis un petit peu calmé. Finalement, je suis pas si déçu que ça. Ça va. En vrai, c'est mieux que la pioche du coup. Donc je peux pas vraiment me plaindre. Maintenant, je vais poser cette canne à pêche qui me sert plus à rien. Merci à toi. Tu m'auras accompagné dans mon stuff presque toute la partie. Allez, est-ce qu'il y a pas un petit kill à KS là de loin? Non. Bah, c'est dommage. Parce que j'aurais pas dit non à 52 shield en plus là. Allez, on est déjà plus que 9. Je vais monter un petit peu sur la montagne. De toute façon, avec le sniper, c'est sûrement le mieux à faire. Et comme ça, si quelqu'un arrive, j'aurai le temps de le voir et de me barrer. Ici, il y a bagarre. Dommage, je l'ai pas touché. Mais ça, c'est parce que je sais pas viser. L'autre. Je l'ai pas touché non plus. Ah ouais, ils sont en train de se casser la gueule là. Mais je suis en train de penser, mais si quelqu'un me tue, il va vouloir récupérer mon stuff, il va être tellement déçu. Allez, je me barre. Il y a la zone et je peux pas prendre le risque d'attendre qu'ils arrivent sur moi. Là, je fais juste un tout droit. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je viens de te demander de me laisser tranquille, s'il te plaît. Pourquoi tu le fais pas? Maintenant, tu te montres plus. 87, il a pris. Let's go. Maintenant, je vais me barrer parce que ça se voit que c'est un mec qui a de Lego. Donc, je vais partir de l'autre côté de la montagne. En vrai, sur le caillou ici, ça peut être pas mal. Ou alors là-haut. Parce que là-haut, il y aura peut-être du stuff épique. Il y aura peut-être un ennemi aussi. Oh non, j'ai trop de chance. Le truc de fou. Comment ça a relancé ma partie? Regardez bien. Lui, déjà, hop, 87, crack. Grâce au grappin qui m'a laissé sur place, j'y vais. Ok. Mais un peu calmé là, en vrai, j'avoue. Je peux pas me reshield. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je m'excite comme ça d'un coup? Je me barre. Le but c'est le top 1. Alors là faudrait que j'arrive à KS un kill, ce qui risque de pas être très simple. Voilà, 53 lui. Et ouais, il en a combien des murs blindés? Ok. Mon but c'est qu'il n'ait plus de build. J'avance en zone. Oh, il attendait que ça lui. Il y a que des mecs qui m'en veulent sur cette map. Est-ce que je touche tout le monde sans les tuer? Il y a encore des drops les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Oh, je suis deg. J'ai utilisé le grappin sans faire exprès, mais il y a un mec là. Oh non, il m'a cassé la gueule. Il va jamais me laisser là. Il va être obligé de faire ça. Et ça. On est tous les deux crack. Alors je sais pas s'il a fait exprès, mais il est tombé le cousin. Crac encore. Oh putain, il a un HP. Il me le faut, les gars. Mort. Parfait. Allez, donne ton build. Il avait même pas un pompe violet. Je suis dégueu. Allez, j'avance. Il y avait un mec dans le bush. Mais non, ça peut pas se finir comme ça. Monster Lolo 42-42. J'ai perdu mon défi parce qu'il était dans un bush. Je suis dégoûté. Bon, et bien voilà, j'aurais quand même fait un top 1 sur 2. Dites-moi dans les commentaires si pour vous le défi est validé, oui ou non. Parce que je sais pas quoi en penser du coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.